Thank you very much for every organizer and everyone has made the effort. And on behalf of Mr. Bekhazi, I present his excuses. He could not be here due to the circumstances of the country. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je me tiens devant vous ce soir pour prononcer quelques mots au nom de Nalba, dans ce cadre magique de la cité des Doges, Venise la Sérénissime. De sérénité, justement, il n'est guère question en ce moment au pays d'où je viens. Notre Liban est assailli de toutes parts par des crises politiques, financières et sociétales qui l'ont mis à terre. La terrible explosion a ravagé le port et la moitié de la ville, laissant derrière elle un spectacle d'apocalypse. Le Liban et les Libanais souffrent, mesdames et messieurs, dans leur chair, mais surtout dans leur âme. Les fondements du Liban sont en péril. L'avenir du pays est ainsi hypothéqué. Les forces vives et la jeunesse libanaise sont en partance vers des mondes meilleurs. L'exil devient l'unique horizon pour beaucoup. La reconnaissance de la faillite pure et simple du système politique et économique du Liban, basé sur un prétendu équilibre communautaire, devient un impératif. Ce système s'est avéré d'une fragilité extrême, même s'il continue à être cité pour sa prétendue résilience. La faillite nous a mené à une catastrophe sociale inédite depuis plus d'un siècle. Elle a été exponentiellement amplifiée par cette explosion quasi-nucléaire. La dimension régionale et géopolitique de cette catastrophe ne peut être ignorée ni minimisée. Elle risque de provoquer des répercussions internationales, surtout sur les rives du bassin du pourtour méditerranéen. Nous, universitaires du Liban, revendiquons avec force notre appartenance culturelle essentiellement méditerranéenne. Nous revendiquons le legs culturel de nos ancêtres qui ont contribué à la naissance de nombreuses cités sur tout le pourtour méditerranéen. Notre rôle de médiateur entre cultures doit être valorisé et renforcé. L'alternative n'existe pas encore. L'ALBA, l'Académie libanaise des beaux-arts, est née avec l'indépendance du Liban en 1943. C'est la plus ancienne institution libanaise d'enseignement supérieur dans le pays. Elle a toujours eu pour vocation et mission, parallèlement à celle d'enseigner les métiers de l'art, de s'impliquer dans les causes nationales, de jouer un rôle de contributeur dans les réflexions à l'échelle locale et régionale, et d'insuffler à ses étudiants ce sens de la responsabilité au service de la réalisation des idéaux nationaux. Face aux différentes épreuves qu'a connues le Liban, l'ALBA a toujours fait preuve de résistance et loin de se résigner contre les coups du sort, elle a toujours milité pour un Liban meilleur. Depuis 2 ans, les difficultés que subit le pays sont énormes et les Libanais ploient sous les problèmes. La terrible explosion a achevé de pétrifier d'horreur tout le Liban. L'ALBA, à l'instar de tant d'autres, a payé un lourd tribut lors de ce drame. L'école d'architecture a perdu l'un de ses plus éminents enseignants, Jean-Marc Bonfils, dans l'explosion. C'est un véritable séisme qui a secoué l'administration, le corps enseignant et le corps étudiant. Comme un seul homme porté par l'horreur de l'explosion, la rage de la perte d'un des siens, l'ampleur des destructions, l'école a orienté toute sa réflexion sur la meilleure manière de répliquer à ce grand crime contre l'humanité. Elle a tout d'abord contribué activement aux travaux d'études menés par l'Ordre des ingénieurs et architectes de Beyrouth, qui ont abouti à la déclaration urbaine de Beyrouth, sous l'égide de Jacques Thabet, ici présent. Ensuite, les enseignants et les étudiants se sont tous portés volontaires durant les premières semaines pour venir en aide aux personnes sinistrées sur le terrain. D'autre part, dès la rentrée universitaire, il a été décidé que tous les sujets des projets d'architecture à tous les niveaux tourneraient autour de la même problématique. L'école d'architecture s'est ainsi transformée tout au long de l'année en une ruche de travail par groupe. Par exemple, les étudiants de 4e année de licence se sont familiarisés avec des projets de temps de crise, allant du recensement à la réhabilitation, en passant par des mémoriaux pour ne pas oublier et tirer les leçons pour l'avenir. Les enseignants du cycle master, comptant eux, ont voulu sensibiliser leurs étudiants à l'architecture de crise en laissant choisir eux-mêmes les problématiques qui les ont le plus souvent interpellés à titre personnel. Le projet d'urbanisme tactique a choisi de réaliser des projets d'intervention rapide, à coût modéré, espérant redonner vie à l'espace urbain, incitant les citoyens à regagner leur quartier et leurs habitations.
Quant au projet urbain, il s'est attelé à l'étude de la région du port de Beyrouth, à sa vocation et son rapport à la ville. Tous les ateliers ont ainsi tourné autour du même thème, chaque groupe d'étudiants choisissant une zone d'intervention, la réhabilitant, proposant souvent une nouvelle programmation pour le secteur. Un énorme travail a été fourni par nos étudiants et nos enseignants. Nous sommes extrêmement fiers de leur engagement sans faille, de leur ténacité et persévérance, de leur volonté de mettre toutes leurs capacités au service de la reconstruction de leur capital. Leur rage de produire de la réflexion et de l'action pour conjurer ce drame est la preuve, s'il en est, que c'est en eux que résident les espoirs de renaissance de ce Liban auquel ils rêvent et aspirent toujours. C'est au sein de cette jeunesse meurtrie que nous trouvons les raisons d'espérer. Ce sont ces jeunes qu'il faut soutenir. Je vous remercie infiniment de nous avoir réunis ici à Venise pour nous permettre de vous présenter les projets par portée de certains de nos étudiants, encadrés par deux enseignants ici présents, parmi tant d'autres étudiants. Je tiens à remercier les initiateurs de ce grand événement pour la place de choix qu'ils nous ont réservée. J'espère que ce témoignage pourra contribuer à convaincre les esprits chagrins, voire maléfiques, de la volonté inflexible de résistance de mon pays et de sa renaissance prochaine. Je vous souhaite un bon après-midi de la part de M. André Bhazé, doyen de l'École d'architecture, de l'Académie libanaise des beaux-arts. Merci.